Téma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian, Ismail. Le même qui fiche 5 fiches plein à Berlin. Si t'es pas mon pote, t'es bien chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. Et moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, ta broche, les sabots, ça coupe par pain, de crosse et de crasse. C'est bon, Didon, j'espère que vous allez bien. Eh oui, ça faisait longtemps. Effectivement, je tiens vraiment à m'excuser pour ce manque de vidéos. Effectivement, pendant 3 mois, je crois, j'ai été inactif complet. Aujourd'hui, je me tenais de faire cette vidéo et effectivement, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris un gameplay que je devais vous mettre il y a 3 mois en arrière qui était déjà tout préparé. Une petite DNA au pistolet PDW. Je peux vous dire un truc, c'est que franchement, déjà, première impression, en ayant regardé ce gameplay avant de faire le commentary, ça m'a donné envie de retourner sur Advanced Warfare, je sais pas pourquoi. Vous allez dire, ouais, Tonton, tu es fou, BO3, c'est de la tuerie. Mais franchement, ce manque d'agressivité au niveau du jeu me manque un petit peu sur AW. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous dire, c'est une vidéo qui va durer 10 minutes, je sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire. Beaucoup d'entre vous ont dit, mais où est passé Tonton? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il va bien? On sait pas où il est. Tonton, tu nous manques. Déjà, je tiens vraiment à remercier les énormes messages de soutien que j'ai eu sur Twitter, auxquels je m'excuse vraiment de ne pas avoir répondu à certaines personnes. J'ai eu pas mal de mouvements, on va dire. J'ai eu une petite. Ces derniers temps, j'ai eu une vie assez compliquée, on va dire. J'ai eu pas mal de déceptions, de problèmes. J'ai beaucoup de travail aussi en ce moment, je travaille énormément. D'où j'attends normalement de signer un nouveau poste en janvier. Je devrais signer enfin mon CDI en janvier. Mais sur un autre poste, ce que je fais habituellement. Donc normalement, ça devrait me changer la vie. Je devrais avoir un meilleur salaire. Par contre, je devrais faire beaucoup plus d'heures de travail. Mais j'espère que ça va être accepté. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit, Tonton, tu nous manques, ton sourire nous manque. Effectivement, vous savez, c'est très dur. Je vais vous dire un truc franchement, les gars, c'est dur de faire une vidéo. Bah, quand t'as pas forcément le sourire tous les jours, c'est dur de faire une vidéo où t'as le sourire. Parce que je me suis dit, Tonton, va pas faire le faux, tu vois, sourire. Et ça se voit, les gens le ressentent quand j'ai pas de la patate, on va dire, énorme. Et... voilà, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup abusé, je tiens à m'excuser, j'ai pas donné signe de vie. Je tenais à faire une petite aparté aussi très 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 importante. C'est qu'en fait, mon Facebook et ma page Facebook ont été supprimés par Facebook. Donc ce n'est pas moi qui ai supprimé. D'où vous verrez la bande outro à la fin de la vidéo où je ne mettrai plus que le Twitter et ma chaîne Twitch. Parce que, voilà, j'ai été supprimé, vous savez pourquoi? J'ai reçu un message de Facebook en disant « Votre compte Facebook a été supprimé parce que ce n'est pas mon vrai nom, en fait. C'est pas mon vrai nom et mon prénom. » Et ils m'ont dit « Pour réactiver votre compte, envoyez une carte d'identité prouvant que vous appelez Bandidos HD. » Mort de rire, Bandidos HD. Allô, quoi, c'est mon nom de jeu, tu vois, c'est... Donc voilà, et du coup, ça m'a un peu écœuré, il y a eu ça, j'ai eu des petits problèmes en même temps. Je me suis dit, moi, j'ai mon ordinateur qui bug, là, honnêtement, il marche, mais c'est chaud. En fait, quand je ferme le clapet du... Vous savez, c'est un ordinateur portable, quand je ferme le clapet, des fois, quand je rouvre le clapet, l'écran est noir ou à moitié coupé en deux. Là, j'ai réussi à le... Je l'ai ouvert, je le touche plus, il marche pour le moment. Donc j'ai eu ça, j'ai eu mon... comment ça s'appelle ce... Mon game capture HD qui bug avec mon logiciel. J'ai pas mal de trucs, franchement. Après, je vais vous dire honnêtement la vérité. Black Ops 3, j'ai pas beaucoup joué. Je suis même pas Prestige 1, alors que vous avez tous connu le Tonton au bout de 3 semaines. Moi qui étais Prestige Max dans tous les Call of, et qui geekait à fond. Voilà, là j'ai du mal à ce jeu. Franchement, j'ai vraiment du mal. Il est pas mal, mais j'ai pas ce petit truc qui accroche. J'ai du mal à faire des séries. J'arrive pas à faire de nucléaire. Donc voilà, je sais que vous allez me dire, Tonton, on n'est pas là forcément pour tes gameplays, on est là pour ton commentary. Mais ça m'emmerde quand même de vous proposer une vidéo de BO3 où j'arrive même pas à faire une nucléaire. Alors comme tous les autres Call of, je fais des cartons, et dans celui-là, j'y arrive pas. Pourquoi? Peut-être le manque de temps de jeu. Je vous dis, je suis niveau 51 ou 52, je suis presque 0 de Black Ops 3, donc je joue vraiment pas beaucoup. J'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment. Je suis à fond dans le travail. Je suis à fond,
je sors beaucoup, je vais avec, quand j'ai ma fille le week-end, je reste avec ma fille, j'en profite à fond. Quand j'ai pas ma fille le week-end, ben, je sors beaucoup en boîte, en teuf, enfin voilà, je fais un peu scandale en ce moment, je suis en mode bah les couilles en ce moment, un peu en mode voilà, t'as qu'une vie, tu vis. Et ça me fait chier, j'ai pas envie d'arrêter YouTube, parce que tout le monde vous allez me dire, tonton, parle-nous, est-ce que tu arrêtes ou pas? Oui, j'ai envie d'arrêter des fois, et non, j'ai pas envie d'arrêter aussi. Mais c'est vrai que YouTube me prend énormément de temps. Donc après, aujourd'hui, le message, il est là. Tonton, voilà, il fait encore des vidéos, il va en faire très peu. Je pense à mon rythme, c'est-à-dire vraiment quand j'aurai le temps, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis content de vous la faire et je devais vous la faire. Donc voilà, après, je ne vous en voudrais pas si vous désabonnez de ma chaîne. Parce que je suis pas trop actif, donc moi après ça restera un énorme souvenir ma chaîne. Vous voyez, je veux dire, dans 10 ans, je regardais peut-être ma chaîne YouTube, je dirais putain, ouais, je regardais les vidéos, je dirais tonton et tout, il y a 10 ans en arrière, et je faisais des commentaires sur des jeux vidéo et tout, la patate et tout. Je pense vous faire quand même une petite vidéo, mais ça sera vraiment à petite échelle. En tout cas, je suis super content aujourd'hui, voilà, de rien, ça me fait plaisir de faire une vidéo, c'est énorme. Mais c'est vrai que c'est surtout les messages de soutien, et je tenais vraiment à dire un message aussi aux membres de ma team. C'est que ces derniers temps, j'ai pas trop été actif aussi au point de vue de membres de ma team. Et il y en a beaucoup qui croient que je les abandonne ou que voilà, je fais plus partie de l'OCB. Pour moi, l'OCB, c'est la famille, ça reste du cœur. Les anciens le savent. Et vraiment, je suis de tout cœur avec eux, c'est ma team, tu vois, c'est ma famille, on va dire, virtuelle. C'est ma deuxième famille virtuelle, et c'est même presque plus qu'une famille virtuelle aussi maintenant, depuis le temps. Après, c'est vrai que j'étais beaucoup inactif, je joue pas beaucoup, je m'énerve beaucoup quand je joue, parce que le jeu, j'arrive pas à jouer, donc je m'énerve. En fait, Tonton, il est en mode gros rageur. Mais je tenais à vous dire, voilà, un petit message important, c'est que je vous abandonne pas. On a tous eu des moments durs dans notre vie. Moi j'ai connu avec des moments super contents, des moments moyennement contents, des moments comme là où ça allait pas trop. Voilà, je vais peut-être revenir tout petit à petit, mais vraiment, comme on dit, il faudra pas pousser mes mains dans les orties. Il faut que je sente que, voilà, que j'ai envie de le faire, que ce soit pas une obligation. Donc je suis quand même content, parce que je sais qu'il y en a qui vont être contents de voir cette vidéo en disant Tonton is back. Voilà, franchement, si vous avez été content, si vous voulez, pourquoi pas me motiver. Le gameplay est rien d'extraordinaire, c'est une DNA au PDW, c'est sûr, c'est pas mal, mais bon, c'est rien d'extraordinaire. Mais ça fait quand même plaisir de voir cette game. Et moi, j'ai envie de vous dire un petit truc, si les vrais sont là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de vrais abonnés, là, les ceux qui attendent depuis 2-3 mois, qui cliquent tous les jours sur ma chaîne pour voir si je mets une vidéo, ils seront là sur cette vidéo. Franchement, vous m'avez manqué, je vous dis la vérité, vous m'avez grave manqué. Et ça me fait limite un peu d'émotion aujourd'hui de faire cette vidéo. Je suis un peu ému, quoi, ça fait bizarre. On dirait que c'est ma première vidéo, ça fait longtemps que j'avais jamais fait. Voilà, super gameplay, DNA explosé, les gars. Donc ben voilà, un petit message qui me ferait plaisir dans les commentaires. Un petit like, bien sûr. Bon, pour Tonton, je sais qu'il n'y en aura pas des millions vu l'inactivité que j'ai eu pendant 3 mois. Mais des petits likes, ça ferait plaisir à Tonton. Et pourquoi pas un petit commentaire pour les vrais Tonton is back. Voilà, franchement, ça ferait plaisir. Je vais essayer de jouer un petit peu plus à Black Ops 3 pour essayer de vous proposer des gameplays Black Ops 3. Peut-être que les premiers temps, ce ne sera pas des gameplays de moi, parce que le temps que je me radar au jeu, je vais essayer un petit peu de faire de temps en temps des live tweets sur Black Ops 3 avec ma team. Il y aura sûrement du vieux Call of aussi. Je vais reprendre un petit peu le vieux Call of, parce que ça me fait vraiment plaisir et ça me fait kiffer de reprendre les vieux Call of Duty. Voilà, cette vidéo, ça touche, j'ai fait une sale série, je sais plus combien, j'ai fait 37, 40. Il y a un mec qui a fait une DNA dans la partie et tout aussi. Non, c'est moi qui ai fait la DNA. Ouais, bah oui, donc là, c'est la DNA. C'est un mec qui était avec moi dans la game qui a fait une DNA juste avant aussi. Voilà, grosse game. Les gars, franchement, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de faire un petit tour sur les vidéos précédentes, même si je sais que nombreux d'entre vous les ont vues 40 fois parce que c'était celle d'il y a 3 mois. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. Vous voyez, j'ai changé, il n'y a plus de Facebook, donc c'est Twitter pour me suivre, Tonton Bandidos, et ma chaîne Twitch, Tonton Bandidos également. Donc ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo en compagnie. Je pense d'ici peu en refaire une sur un vieux Call of Duty, pourquoi pas un petit comeback sur Black Ops 2, ou peut-être du MW3, je sais pas, ou voir Black Ops 3 si j'arrive à vous sortir un gameplay d'ici là, parce que Tonton c'est un noob sur Black Ops 3, je viens de le dire. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura fait plaisir. N'oublie pas le petit commentaire pour faire plaisir à Tonton, le petit like. Et sur ce, je vous dis de passer de bonnes vacances de Noël. Bonne fête à tous. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars!